N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Выдружаем флаги. Спасибо. Evgeny Prigogine a lui promis de fouiller la ville et d'y créer des positions défensives avant d'en transférer le contrôle à l'armée russe dans les prochains jours. Ah, je suppose que dans la mesure où la prise de Bakhmout sera une victoire pour les Russes, plus on retarde l'échéance du point de vue de Zelensky, et mieux on se porte, si j'ose dire. Mais je suppose que la question est réglée, simplement c'est une conquête vide de sens. Ce qu'on mesure peu aujourd'hui ici en France, c'est que la tournée de Zelensky et le soutien de son système diplomatique font que partout où il va, il y a une demande de combattants, et notamment dans le monde arabe aujourd'hui, où beaucoup d'ambassades ukrainiennes essaient de recruter localement des combattants. Ah oui, d'accord. C'est très fortement une demande de combattants forte. Bien sûr. Ouais. Si vous vous souvenez, au début du conflit, ils l'avaient fait en Afrique et les gouvernements africains avaient protesté, leur avaient demandé d'arrêter. Ils sont en train de refaire ça au Moyen-Orient. Avec le soutien des Américains, et la crainte, c'est que ces pays-là se débarrassent des djihadistes qui les embarquent, qui les gênent, pour les envoyer sur le front ukrainien. Ce qui, de toute façon, serait là aussi une aberration du camp occidental si on acceptait de faire ça. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens essaient de faire flèche de tout bois. La situation est très difficile pour eux, et ils en sont à de nouvelles tentatives de recrutement de combattants, cette fois au Moyen-Orient et également en Amérique latine. Mon rêve, c'est d'avoir une maison à moi, dans mon pays bien-aimé, la Colombie. C'est un rêve que je partage avec de nombreux compatriotes. Ils combattaient autrefois les FARC dans la jungle colombienne. Ils sont aujourd'hui sur le front ukrainien. Militaires ou paramilitaires contre la guérilla communiste, ils sont devenus mercenaires, comme cet ex-soldat colombien que vous venez d'entendre. Ils seraient au moins 300 sur les fronts de l'Est, les mercenaires colombiens de l'armée ukrainienne. C'est un reportage rare dans le Donbass de notre correspondant sur place, Thibault Lefebvre. Le front est à une dizaine de kilomètres. La base arrière est une école. Des soldats s'entraînent au tir dans un champ à côté et dans les couloirs du bâtiment principal. Mauricio Picoanega, buenos días. Des mercenaires colombiens sont assis, face à face, adossés au mur, fusils automatiques sur les genoux. Ils sont une trentaine dans ce bataillon. Un soldat sur dix, comme Mauricio, la quarantaine. Acá nos ganamos un promedio de... Ici, on gagne en moyenne 3000 euros par mois. Mensualmente, sí, señor. Mauricio a décuplé son salaire. Il y a 4 mois, il était encore agent de sécurité à San Vicente de Chucuri, au centre du pays. Cet ancien militaire y a laissé son épouse et ses 3 fils. On a vu une offre d'emploi et c'est pour ça que nous sommes là. Je vais rester à peu près 7 mois et après je pourrai réaliser mon rêve. Je pourrai organiser une fête autour de quelques bières dans ma maison. C'est ce que j'espère. En Colombie, il y a les guérillas, mais ici la guerre, ce n'est pas pareil. Le climat est un ennemi, le froid. La guerra que se vive es con misiles. Il y a des missiles, des bombes, des mortiers, des grenades, des chars. Tanques. C'est la scène de boum, boum. Je n'ai jamais vu ça. C'est une guerre de fou. Avant le Donbass, Mauricio et les autres Colombiens sont passés par la ville de Medica, à l'est de la Pologne. Une fois en Ukraine, ils se sont arrêtés à Ternopil, sur la route de Kiev, puis ils ont été orientés vers leur bataillon. Il n'y a pas de filière structurée, l'information passe par le bouche à oreille. Et par ce type de message, envoyé sur des groupes WhatsApp composés d'anciens soldats de l'armée colombienne clairement orientés.
Somos. Nous sommes très à droite. Etia. Comme Mauricio, Gigio, c'est son nom de soldat, est arrivé en Ukraine en décembre dernier. En el ejército colombiano combatí. Pendant 7 ans, j'ai combattu avec l'armée colombienne, des groupes de narcotrafiquants, l'armée de libération nationale et les FARC. Poutine est un homme de gauche. Il s'enrichit et accroît son pouvoir. C'est tout ce qui l'intéresse. Une fois dans le bataillon, Gigio et Mauricio ont été pris en charge par un soldat plus chevronné, un ancien légionnaire de l'armée française. Espinosa. C'est votre nom de légionnaire. Légionnaire Espinosa. Espinosa est espagnol. Il est responsable de la formation des mercenaires. Ce sont des gens qui connaissent la mort. Ils l'ont complètement intégré. Pour eux, l'argent qu'ils ramènent à leur famille compte plus que leur propre vie. De pouvoir perdre la propre vie. C'est sûr, c'est le pays où il doit y avoir le plus de mercenaires au monde. Si un autre groupe leur propose plus, je pense qu'ils iront de l'autre côté. Les Russes, par exemple, avec les paramilitaires de Wagner. S'ils mettent en place une légion internationale, beaucoup d'entre eux s'engageront là-bas sans se préoccuper du camp qu'ils défendent. C'est donc un enjeu de sécurité majeur pour l'armée. Depuis le début de l'hiver et de l'offensive russe dans le Donbass, les pertes sont importantes. L'Ukraine a donc besoin de soldats. Et selon le porte-parole du renseignement militaire, Andriy Tcherniak, ce n'est pas le moment d'être trop regardant. Oui, on est au courant de ces situations. On les a identifiées, on travaille sur les profils et on essaye de les empêcher d'agir. Maintenant, pour nous, la priorité, c'est de sauver l'Ukraine. Peu importe comment et avec quels moyens. On a bien compris qu'à la guerre, il y a le meilleur, des héros, mais aussi le pire, des gens avec de mauvaises intentions. Il y a 2 mois, un mercenaire américain est passé à l'ennemi. Son histoire a été racontée sur la chaîne Russia Today. L'ancien soldat américain John McIntyre était employé comme mercenaire en Ukraine, mais en février dernier, il s'est engagé du côté russe. C'est aujourd'hui le seul cas connu et avéré de trahison. Thibault Lefebvre, merci pour ce zoom. Dimanche, des combattants en liesse du groupe de mercenaires Wagner ont hissé le drapeau russe au-dessus de Bakhmout. En présence de rapports contradictoires provenant du terrain, des images comme celle-ci soulèvent des questions sur la possibilité que la ville soit finalement tombée sous le contrôle de Moscou après des mois de combats acharnés. Pendant 224 jours, nos hommes ont pris d'assaut cette ville. Les seuls combattants ici étaient les mercenaires du groupe Wagner. Nous n'avons pas seulement combattu l'armée ukrainienne ici, nous avons aussi combattu la bureaucratie russe qui nous a mis des bâtons dans les roues. Mais lors de la réunion du G7 à Hiroshima, le président ukrainien Zelensky a insisté sur le fait que Bakhmout demeurait entre les mains de ses troupes, même si la ville est presque entièrement détruite. Aujourd'hui, ils accomplissent une tâche très importante. À ce jour, ils sont à Bakhmout. Dans quels emplacements exactement, je ne vous le dirai pas. Mais cela signifie que le Bakhmout n'est pas conquis par la Fédération de Russie aujourd'hui. Il ne peut y avoir d'autre interprétation de cela. Cette affirmation du président Zelensky a été étayée par des unités sur le terrain. Tout ce que les héros de Bakhmout ont fait pour détruire ce groupe aura valu la peine à l'avenir lorsque nos unités formées à l'étranger et en Ukraine seront prêtes au combat et expulseront l'ennemi démoralisé et incompétent de notre pays. Vladimir Poutine a félicité le groupe Wagner, mais a déclaré que la victoire n'aurait pas pu être obtenue sans le soutien des forces russes régulières. Mais la bataille pour Bakhmout a provoqué une âpre guerre des mots entre Evgeny Prigogine, le chef du groupe Wagner, et les responsables de la défense de Moscou, qui selon lui n'ont pas soutenu ses combattants en leur fournissant le matériel militaire nécessaire. Ces affirmations et contre-affirmations surviennent alors que le sommet du G7 au Japon se termine sur la promesse d'une aide militaire accrue à l'Ukraine de la part de certaines des nations les plus riches du monde, dont un nouveau programme de soutien de 375 millions de dollars de la part des États-Unis. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine tranche de système de sécurité américain destiné à l'Ukraine. Un paquet qui comprend plus de munitions, d'artillerie, de véhicules blindés pour renforcer les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Et les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine à répondre, à couvrir et à reconstruire. Le président américain Joe Biden a également déclaré que le président russe Poutine ne briserait pas la détermination des alliés de Kiev. Le message des partisans de Kiev est que même si Bakhmout était perdu, le combat pour l'Ukraine serait loin d'être terminé. Je vous cite juste une chose. Par exemple, La Dépêche, le journal, il y a 2 jours, titrait ceci. « La guerre en Ukraine, à Bakhmout, les Russes et Wagner sont faits comme des rats ».
Deux jours après, c'est-à-dire hier, guerre en Ukraine, le patron de Wagner annonce que Bakhmout est tombé aux mains des Russes. Et de fait, effectivement, tout porte à croire aujourd'hui que c'est plutôt le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, avant d'en parler avec Éric Dénessé, écoutez ce que vous avez tous entendu. Et écoutez, c'est une infime partie de ce qu'on entend 24 heures sur 24 ou presque, du matin au soir, du soir au matin, dans un certain nombre de chaînes, de médias, etc. À juste titre ou à non juste titre, écoutez. Kiev se félicite de son premier succès de son offensive pour reprendre Bakhmout. Les Ukrainiens ont effectivement gagné du terrain. Kiev serait parvenu à capturer plus de 10 positions ennemies. L'utilité de Bakhmout pour Zelensky, elle est là, c'est de dire, regardez, lorsque nous sommes dotés sur la valeur de nos hommes et de notre stratégie, nous progressons. Les Ukrainiens ont bien vu qu'il y avait un point de faiblesse russe dans cette zone. L'avancée de nos troupes dans la zone de Bakhmout est le premier succès de l'offensive. On a bien vu que les renforts qui avaient été envoyés par les Russes, ce n'étaient pas des brigades extrêmement expérimentées. Que dit le ministère de la Défense aujourd'hui? Certains des flancs ont cédé. Voilà, certains des flancs ont cédé. On a très longuement glosé, je le lisais encore, les hebdomadaires qui ont paru évidemment il y a deux jours avant toutes ces nouvelles, et disaient entre Prigogine et Poutine, c'est terrible. Prigogine disait, le patron de Wagner, disait, où sont ces putains d'obus? Que font les autorités russes? C'est lamentable. Et presque on pariait déjà sur une crise de régime. Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, encore une fois, on mesure, encore une fois, au-delà de ça, le décalage qu'il y a en une certaine manière de raconter l'information, de nous donner l'information, notamment en France, puisque nous sommes en France, et la réalité du terrain. C'est quand même assez remarquable. Mais d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe encore sur ce plan de Bakhmout, spécifiquement? Écoutez, j'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur le fait de ne pas prendre parti. Il est important de ne pas prendre parti, mais ce n'est pas ce qu'ont fait ces médias français depuis quelques jours. D'abord, c'est très difficile à décrypter puisque les deux camps font une propagande éhontée. Malheureusement, on a le sentiment que la propagande occidentale, comme vous venez de le rappeler avec ces quelques extraits sonores, est encore plus forte. Honnêtement, sur le terrain, on voit que les Russes ne reculent pas, qu'ils avancent extrêmement lentement. Alors, est-ce que c'est prudemment ou pas? C'est très difficile de le dire. Oui. Et en tout cas, il n'y a pas de défaite russe, il n'y a pas de victoire ukrainienne. Alors, est-ce que c'est un match nul? Dans une guerre urbaine, vous savez, on avance quelques pâtés de maison par pâté de maison. Bien sûr. Il semble bien que les Russes, depuis des semaines, aient fini par prendre les derniers hectomètres carrés. Oui. Et que la contre-offensive qu'on nous a vendue et qui ne vient pas de la part de l'Ukraine, pour l'instant personne ne la voit, et les attaques sur les flancs, les Wagner faits comme des reins, tout ça est une comédie. Alors, d'un côté, comme vous le rappelez, les Ukrainiens se sont tirés une balle dans le pied en faisant de Bakhmout un symbole, et de l'autre côté, on doit se dire que si jamais Prigogine était vraiment l'opposant à Poutine qu'il prétend être, je pense que sa survie aurait été beaucoup plus courte. Donc il y a un véritable partage des rôles. Les Ukrainiens d'un côté disant qu'ils vont attaquer, donc Prigogine, par certains de ses discours, voulant laisser croire qu'il y avait des faiblesses sur tel ou tel aspect du front, tout ça est un jeu de dupes. Alors, est-ce que c'est une ruse à la Sun Tzu? Je pense qu'elle n'est pas de ce niveau-là, parce que pour l'instant, c'est vraiment des petites ruses de guerre tactiques de part et d'autre, et le front ne bouge pas tant que ça en réalité, et il bouge très marginalement, semble-t-il, en faveur des Russes. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 4 missiles de croisière, et au moins une quinzaine de drones, mais le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, dont Dnipro est la capitale, dit qu'il y a aussi eu des missiles qui ont atteint leur cible et que ce sont essentiellement des cibles militaires. Bien sûr, les autorités ukrainiennes ne donnent pas plus de détails sur cela. Ils disent tout de même qu'en résultat de ces frappes pendant la nuit, il y a au moins 8 blessés. Quand ils disent qu'il y a au moins 8 blessés, cela entend 8 civils qui ont été blessés. Il se peut que des militaires aient été blessés aussi, mais les Ukrainiens ne donnent pas de détails sur cela. Essentiellement la région de Dnipro pour ces frappes de longue distance, mais aussi Zaporijja et Kharkiv, deux autres grandes villes de l'est de l'Ukraine, ont été frappées pendant la nuit. Les sirènes ont retenti sur toute l'Ukraine, mais la capitale Kiev n'a pas été visée cette fois-ci.
ce qui contraste avec les jours précédents. On a eu une nuit de trêve la nuit d'avant-hier, mais sinon Kiev avait été ciblé pendant au moins 5 nuits de suite. Volodymyr Zelensky a enchaîné rencontres avec les dirigeants européens et réunions bilatérales ce samedi lors du sommet du G7 au Japon. Le président ukrainien a notamment discuté de l'adhésion à l'Ukraine de l'UE avec le président du Conseil européen. Il a également remercié ses alliés pour leur aide dans la lutte contre l'invasion russe, saluant à nouveau la décision des États-Unis d'autoriser l'envoi d'avions de combat en Ukraine. Decision that we will have all these defending measures tomorrow. We have to prepare, but anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to our partners. Le G7 a par ailleurs exhorté la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression contre l'Ukraine et Pékin de dénoncer les reproches à son encontre exprimés par le groupe des 7 et l'Union européenne. Le chef de la diplomatie russe a lui accusé les dirigeants du groupe de vouloir contenir à la fois la Russie et la Chine. Alors Stéphane Lagarde, Monsieur Li est le plus haut représentant chinois à se rendre en Ukraine depuis le début du conflit le 24 mars 2022. Quel est le bilan de sa visite à Kiev, Kiev qui était la première étape de sa tournée avant Varsovie, Paris, Berlin et Moscou? Alors c'est difficile pour l'instant parce qu'on vient d'avoir le communiqué il y a à peu près une heure, enfin en tout cas moi je l'ai lu il y a à peu près une heure, pour savoir s'il sera un effet, c'est difficile à répondre. En tout cas moi je vous répondrai tout et pas grand chose pour l'attendre de cette visite. Chantal, je sais que c'est pas une réponse, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en entendant la question de notre auditeur. Tout ça parce que simplement, malheureusement pour l'instant, on n'a pas d'autre solution politique hein, pour résoudre ce conflit en Ukraine. Vous savez, vous vous souvenez peut-être qu'au début, quand la Chine a présenté sa position de paix, hein, c'est pas un plan de paix, c'est une position chinoise de la diplomatie chinoise édictée sur des principes donc de la diplomatie chinoise pour arriver à une paix en Ukraine. Quand ces 12 points ont été évoqués, on a eu beaucoup de scepticisme, notamment à l'Ouest, et puis on a vu des dirigeants européens ici venir ici et dire, le président français notamment, dire que finalement, la Chine, par sa position géographique, c'est important, hein, c'est quand même, elle est voisine de la Russie, et puis de par aussi sa proximité idéologique avec le Kremlin, était la seule à pouvoir parler aux deux parties, et donc la seule peut-être à pouvoir faire cette médiation. Sauf qu'on est loin du compte, donc j'ai lu ce compte-rendu du gouvernement chinois, je vous donnerai éventuellement le lien pour le mettre sur la page de l'émission si vous voulez, il n'y a pas grand-chose dedans, comme souvent dans ce genre de compte-rendu, on n'a pas la réponse de la partie ukrainienne, hein. On note simplement que Pékin estime que la rencontre a été chaleureuse, je lis en même temps, et que la Chine est disposée à réunir la communauté internationale pour former le plus grand dénominateur commun pour résoudre la crise en Ukraine. Donc obtenir un cessez-le-feu et rétablir la paix. Donc c'est pas rien ce communiqué, mais en tout cas c'est très maigre. Et on imagine mal pour l'instant l'Ukraine à la veille de sa contre-offensive, en tout cas accepter une proposition qui inviterait à la cessation immédiate des combats et à des cessions en tout cas de parties du territoire ukrainien. Il faut rappeler hein, que la Chine et la Russie ont signé un partenariat sans limite, que depuis le début de la guerre, les autorités chinoises n'ont jamais condamné publiquement la Russie, ni employé d'ailleurs le mot « guerre », préférant parler de crise, dont elle rejette, comme Moscou, la responsabilité sur l'OTAN. Est-ce que Pékin peut vraiment se poser en médiateur? Alors c'est très difficile, encore une fois. On n'a pas vraiment le choix. Ce qu'on sait ici, c'est que c'est inscrit aussi noir sur blanc hein, dans les documents chinois. La Chine veut être responsable, elle veut être à la hauteur de sa puissance retrouvée et donc veut jouer effectivement les médiateurs en gardant les canaux ouverts. Donc c'est une neutralité effectivement, en tout cas qui est pro-russe, hein, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de reconnaissance, vous l'avez dit, de l'agression russe. Mais après avoir réconcilié l'irréconciliable, hein, notamment au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et l'Iran, aujourd'hui la Chine voudrait faire la même chose en Ukraine, sauf qu'on est dans le cadre d'un conflit ouvert. Ils ont envoyé Lirouet, je voulais dire juste un mot là-dessus, Chantal, mais Lirouet, c'est quelqu'un qui connaît bien la Russie, puisqu'il y a passé 10 ans en tant qu'ambassadeur en poste à Moscou. Il connaissait notamment le Donbass, hein, il était à ce moment-là au début de la guerre du Donbass. Alors c'est quelqu'un qui a eu la médaille de Poutine, donc forcément la médaille de l'amitié, donc c'est encore une fois pour la neutralité, c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'autre médiation pour l'instant. Là, je me trouve, c'est aussi une diplomatie tout azimut en ce moment. Là, je me trouve en ce moment à Xi'an, donc dans le centre du pays. Il y a le début d'un sommet avec l'Asie centrale, c'était jamais arrivé en Chine. Donc la Chine a une puissance diplomatique aujourd'hui ouverte à plusieurs pays, notamment dans le précaré de la Russie avec l'Asie centrale. En ce moment, à Xi'an, là, je suis en ce moment dans le centre de presse. Est-ce que Pékin a réagi à l'annonce de la visite prochaine à Kiev et à Moscou d'une délégation de 6 chefs d'État africains pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit?
Ben, je vais vous décevoir, Chantal. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas vu encore. J'ai pas vu les communiqués chinois. Parce que là, encore une fois, je suis ce sommet sur l'Asie centrale dans le centre du pays. Donc, je peux pas vous dire. Mais probablement qu'ils vont réagir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que Beijing déplorait vivement et s'opposait fermement aux tendances négatives du G7 et annonçait des démarches sérieuses auprès du Japon, pays hôte du sommet et des autres parties concernées. Dans une déclaration, le ministère chinois des Affaires étrangères reproche au G7 de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine défend ses stratégies maritimes et nucléaires en soulignant ses engagements en faveur d'un système international centré sur les Nations Unies. La Chine insiste sur la nécessité pour les pays du G7 de se concentrer sur leurs propres affaires intérieures et encourage le dialogue et la coopération au lieu de la constitution de blocs exclusifs et de la répression des autres nations. Le sommet du G7 crée une crise de guerre. Et les États-Unis développent l'industrie de la guerre en vendant des armes pour gagner de l'argent. Ils ne se soucient pas de savoir si des gens perdent la vie pour cela. Les États-Unis attisent les flammes de la guerre. Ce comportement est le fait des États-Unis. Ils essaient d'attirer le Japon et la Corée du Sud à leur côté pour créer une version asiatique de l'OTAN. Le G7, même s'il est dirigé par les États-Unis, n'est pas dans l'intérêt du peuple américain. Il y a un grand nombre de personnes qui disent non à la guerre. Nous sommes venus spécialement de Corée du Sud pour participer aux manifestations pendant la période où se tient le G7. Ayant quitté le sommet du G7 au Japon pour résoudre l'imminente crise de la dette aux États-Unis, le président Joe Biden a reçu un avertissement tranchant de la part de ses opposants républicains. Nous avons avancé une proposition de réduire les dépenses de plus de 1 000 milliards de dollars en plus des près de 3 000 milliards de dollars de réduction du déficit que j'ai précédemment proposé via une combinaison de réduction de dépenses et de nouveaux revenus. À présent, il est temps pour l'autre partie d'abandonner ses positions extrêmes parce que beaucoup de ce qu'ils ont déjà proposé est simplement et assez franchement inacceptable. Le président démocrate a rassuré les dirigeants mondiaux au sommet du G7 qu'il parviendrait à un accord pour relever les limites d'emprunt des États-Unis, appelé plafond de la dette. Joe Biden a promis de poursuivre les négociations avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, le républicain ayant le plus d'ancienneté au Congrès. Écoutez, il n'y a pas d'accord sur quoi que ce soit. Nous avons tous exposé nos positions et nous essayons de trouver un terrain commun pour résoudre cela. Les démocrates souhaitent relever le plafond de la dette au-delà de sa limite actuelle de 31 400 milliards de dollars. Cependant, les républicains demandent de couper dans les dépenses afin de réduire le déficit croissant, notamment en liant l'éligibilité aux soins de santé, financés par le gouvernement, à des exigences de travail. Le département du Trésor a prévenu que si le plafond de la dette n'était pas relevé d'ici le 1er juin, cela pourrait entraîner l'arrêt des activités du gouvernement américain, ce qui aurait de graves répercussions sur l'économie mondiale. Joe Biden a déclaré penser avoir le droit d'invoquer le 14e amendement de la Constitution des États-Unis pour outrepasser le Congrès et relever le plafond de la dette. Cependant, des experts légaux affirment qu'il se trouve en terrain légal inconnu. Écoutez, pour moi, c'est bien sûr la politique intérieure américaine qui est le premier facteur qui permettra la fin du conflit ou sa prolongation. Oui. Or, pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a ce grand débat sur la dette, où depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, ils font une pression sur Joe Biden pour que la dette américaine ne soit pas encore une fois augmentée. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? Le Pentagone a absolument besoin que soit voté son budget de défense pour faire face à une éventuelle conflagration avec la Chine dans les années qui viennent. D'accord. Or, ce budget qui a été décidé, qui est le plus important depuis la fin de la guerre froide, n'a pas été voté. Donc, tant que ce budget n'aura pas été voté, le Pentagone et les Américains ont tout à fait intérêt à ce que la guerre continue, parce que c'est un moyen de pression sur le Congrès pour obtenir ces budgets. Mmh. Et je crois qu'une évolution possible, ce sera effectivement, si ce budget est voté, s'il n'y a pas de défaut de paiement américain et si les parlementaires d'outre-Atlantique se mettent d'accord, ouais. À ce moment-là, on risque de voir une inflexion dans ce conflit. À partir du moment où le Pentagone aura ses budgets, eh bien, l'intérêt de la guerre en Ukraine diminuera à ses yeux, puisque les Américains ont toujours besoin d'un ennemi et que pour l'instant, c'est très pratique avec la Russie. Donc le Pentagone fait vraiment tout ce qu'il faut pour retrouver un niveau d'armement qui lui permettrait de faire face à un éventuel conflit avec la Chine. Et tant que ça n'est pas acquis, eh bien, il utilise le conflit ukrainien pour faire monter les enchères.
Ah oui, d'accord. Donc c'est une situation qui peut durer encore quelques temps. Disons, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est ça. À mon sens, beaucoup de choses sont liées. Alors, a priori, les parlementaires américains vont décaler de 3 mois ce débat sur la dette qui devait s'arrêter, devait prendre fin, je crois, fin juin, parce qu'à mon avis, ils ne se mettront pas d'accord. C'était début juin, pardon. Ils ne se mettront pas d'accord d'ici là. Et on parle en ce moment d'une prolongation de 2 à 3 mois. Donc tant que ça ne sera pas réglé, que les budgets ne seront pas votés, c'est a priori jusqu'à la rentrée. Je ne vois pas d'évolution majeure, à part sur le plan militaire, ce qu'on ne distingue pas aujourd'hui. Pour une sortie de conflit. Plan élaboré par les pays occidentaux dans le cadre du sommet du G7 et donc les États-Unis sur le lieu de leur crime un peu plus de 2 tiers de siècle plus tard. Parmi les États membres, on retrouve donc les deux précités, mais aussi la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et le Canada, un ensemble étatique assimilable au camp occidental face à Moscou et Pékin. Mais a été l'occasion de présenter de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment concernant le commerce de diamants. Ne sera pas, même si nous ainsi au transparent président du Conseil européen Charles Michel dans le de même faire temps, un la bon Chine a organisé le sommet de l'Asie centrale. Les diamants russes si ne sont pas éternels, une référence à un James Bond de 1971 qui nous prête une heure de la guerre froide. Et c'est bien d'un monde coupé en morceaux qu'il semble s'agir ici. Dans le même temps se tenait en effet le sommet Asie-Chine centrale à Xi'an, ancienne capitale impériale et point de départ des routes de la soie. Un sommet rassemblant d'anciens sujets de l'Empire russe, devenus République de l'Union soviétique, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Des États qui ont toujours des liens étroits avec la Russie, que ce soit en matière linguistique, économique et diplomatique. D'autres acteurs tirent leur épingle du jeu international en cours en n'étant pas tout à fait dans l'un des deux camps. C'est le cas notamment de la Turquie, mais aussi de l'Arabie Saoudite, où le président ukrainien était en visite vendredi, à l'occasion du sommet de la Ligue arabe. Il pourra ainsi croiser la route de Bachar al-Assad, allié et surtout dépendant de Moscou. Côté africain, 6 États se rêvent en faiseurs de paix. L'Égypte, le Sénégal, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Congo-Brazzaville. C'est un homme d'affaires français proche de la présidence de la République du Congo qui serait à la manœuvre dans cette étrange tentative de conciliation. Il sera dimanche à Moscou avec des émissaires de plusieurs pays pour présenter son plan. Une initiative qui n'a aucune chance d'aboutir, mais qui témoigne de la diversité des positions des États face au conflit. Le bloc occidental, lui, fait front et plus aucune voix discordante ne semble être possible parmi les membres du G7, alors que le président français avait su tenir, très brièvement, un discours plus mesuré. En plus du problème russe, la question chinoise s'est aussi invitée à la table des discussions et les États en présence désirent communément s'extirper de leur dépendance à Pékin et réaffirmer leur unité en faveur de Taïwan. Des vœux pieux qui laissent toujours planer le doute. En cas d'invasion de Taïwan, le bloc occidental se permettra-t-il d'entrer ouvertement en guerre contre la Chine ? Une hypothèse hautement improbable. Reste que ce sommet du G7 et les mouvements qui peuvent être observés entre les différents acteurs internationaux témoignent d'une polarisation des relations internationales. La visite du Premier ministre russe Mikhail Mishustin en Chine les 23 et 24 mai prochains participe de cette tendance. Le monde qui semble se dessiner depuis la guerre en Ukraine n'est pas un paradis multipolaire, mais une reconstitution de blocs avec 2 grands ensembles qui semblent se faire face et des non-alignés. Une tendance qui devrait s'inscrire dans la durée. En effet, si l'invasion de l'Ukraine n'a pas été une victoire éclatante de Moscou, défaire la Russie demeure très improbable. Une puissance nucléaire dirigée par un pouvoir fort peut difficilement perdre une guerre. Une fois acculé, le pouvoir en place pourrait être tenté de se montrer menaçant, avec les risques que cela implique, d'où l'intérêt de la voie diplomatique pour s'éviter de nouveaux Hiroshima. Mais là encore, ce n'est pas la tendance. I think this decision from the Duma nowadays to completely withdraw from the CFE is really a sign that there's no return to the security architecture that we knew back in the 90s. CFE treaty was very, very consequential in ending the Cold War. The treaty had very clear obligations on the equipment that we were storing, on the balance of conventional forces, and it also allowed for things like inspections. Thank you.
Russia basically refused to comply with some obvious treaty obligations. They did not withdraw troops from Georgia and Moldova in particular, and they stationed troops there in violation of treaty provisions. The reason really why Russia suspended in 2007 was because US plans to establish military bases in Bulgaria and Romania. The United States clearly mentioned that these bases would not be permanent. They were temporary, and under CFE treaty conditions, this is allowed. However, Russia was accusing the United States for these bases to be pretty much communicating to us, the Cold War is back, and I will be treating you as my enemies. He wants to say that, you know, us helping out Ukraine is not acceptable to Russia. That means that Ukraine is our enemy and so are you. And you should all fear that. La préfecture de Rotan est située en bordure du plus grand désert chinois, le désert du Taklamakan. Cette région reçoit en moyenne 2800 heures d'ensoleillement chaque année, ce qui permet que de vastes superficies de terrain soient utilisées pour l'industrie de l'énergie solaire. Ce parc industriel photovoltaïque est le plus grand de la préfecture de Rotan dans le sud du Xinjiang, avec une zone planifiée de plus de 6000 hectares. De grands projets énergétiques, dont un de 400 MW, sont en cours de construction. Lorsqu'ils seront tous construits, ils stimuleront considérablement le développement de l'économie locale et de l'industrie de l'énergie verte. La State Power Investment Corporation est l'une des nombreuses entreprises à investir dans ce parc industriel. Ces projets de 200 MW sont devenus pleinement opérationnels en février de cette année. 1300 hectares d'installations ont été achevés à ce jour pour une capacité de 660 MW. Lorsque tous les projets d'énergie verte commenceront à fonctionner à plein régime, ils produiront 300 millions de kWh par an, ce qui permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 330 000 tonnes. La State Power Investment Corporation investit à Rotan depuis 2011 et les projets d'énergie verte dans lesquels elle a investi moderniseront le cadre de l'industrie électrique à Rotan, car ici, il y avait surtout de la production d'énergie industrielle, comme la production d'énergie thermique. Les projets d'énergie verte ont contribué à créer des emplois pour la population locale. L'électricien Abdourachid Jamal en fait partie. Chaque jour, lui et ses collègues veillent à ce que la centrale électrique fonctionne comme prévu. Je travaillais ici depuis 2021. Mes collègues et mes dirigeants m'ont beaucoup aidé car je travaillais auparavant dans l'industrie chimique. Ils nous ont offert une formation et maintenant j'ai obtenu des certificats de qualification dans l'industrie électrique. Je veux débloquer les installations moi-même. L'entreprise m'a également offert un revenu décent et je n'ai aucun souci à me faire. Le ministère chinois des ressources naturelles a encouragé les responsables locaux en Chine à développer l'industrie de l'énergie solaire en utilisant des terres non cultivées, y compris les vastes zones désertiques. Et ce, tout en protégeant l'environnement. Mais bonjour. Bonjour, c'est le décryptage du jour. Peut-on y croire plus que les dernières cette fois ? En tout cas, on a un horaire, 19h45 GMT, soit 21h45 heure de Khartoum, heure de Paris. C'est le feu d'une semaine qui est censé entrer en vigueur entre d'un côté l'armée, de l'autre les paramilitaires. Alors, est-ce que vous allez me poser la question, est-ce que c'est un de plus ? Parce que depuis le début du conflit, le 15 avril, une dizaine de cessez-le-feu ont été annoncés sans effet significatif. La petite avancée, c'est que les deux camps adverses l'ont signé, cette fois devant les caméras, sous supervision américaine et saoudienne, et cette fois assure à la fois Riyad et Washington, il y aura un mécanisme de surveillance. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve. Les deux camps, d'un côté, rappelons-le, il y a l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et de l'autre, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Selon Washington, les deux parties sont également engagées à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici ce soir, mais hier, des raids aériens, des tirs et des explosions ont continué à secouer Khartoum. En fait, avec ce cessez-le-feu, il ne s'agit pas d'un début de négociation de paix, il s'agirait, on va rester au conditionnel, de permettre, de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire. Et puis les belligérants sont aussi engagés à retirer leurs troupes, par exemple des hôpitaux et des bâtiments de services publics. Voilà, une courte parenthèse dans ce conflit qui persiste. Un mot peut-être du terrain, ça donne quoi exactement ?
exactement? Je vous le disais, les combats ont continué hier à Khartoum, les combats qui ont surtout lieu dans la capitale soudanaise, mais ce n'est pas le seul endroit, vous allez le voir sur cette carte, où se déroulent les combats. Et il y a donc Khartoum, il y a aussi le Darfour, ça on en avait beaucoup parlé, puis un peu moins parlé, le Kordofan du Nord, ce sont les trois zones où il y a des combats. Alors, à Khartoum, les FSR, les forces de réaction rapide, les paramilitaires semblent contrôler l'essentiel de la ville. L'armée, elle continue d'accentuer sa pression, notamment sur les ponts, sur le Nil, hein, qui est au Soudan. Il y a aussi des informations qui faisaient état ce week-end de combats intenses au niveau de la principale base aérienne de Khartoum, qui est détenue par les troupes loyalistes, en quelque sorte, par les militaires. Et puis, en fin de semaine dernière, les hommes des FSR, les paramilitaires, avaient eux attaqué la capitale provinciale du Darfour occidental. Chaque parti communiquant sur les réseaux sociaux, les informations sont parcellaires, partielles, difficiles d'en savoir plus. La seule chose qu'on peut malheureusement affirmer, c'est que la population, elle, continue à souffrir. Selon l'ONU, plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire. C'est un niveau jamais atteint dans ce pays de 45 ans. Le président Mohamed Al-Razouani comptait sur cette élection législative du 13 mai pour renforcer son assise. Eh bien, le pari semble gagner. Selon les résultats provisoires, El Issaf arrive largement en tête dans la majorité des circonscriptions du pays. Déjà 80 députés sur les 176 que compte le Parlement. Une victoire peu surprenante, selon le vice-président du parti. Nous savions que nous avions un bilan efficace, deux, une campagne robuste. Notre machine de campagne électorale est beaucoup plus puissante que les autres. Il y a beaucoup de proximité. Cela a donné des résultats. Compilons et comptons le nombre de bureaux sur lesquels il y aurait eu des irrégularités dont nous demandons la correction intégrale et immédiate et vous verrez que ça n'impacte absolument pas cette élection. L'opposition, quant à elle, recule et se partage que 24 sièges au total. Une déception pour le parti islamiste du Tawassoul qui conserve sa place de leader de l'opposition mais n'obtient que 9 sièges contre 14 en 2018. Il dénonce de nombreux dysfonctionnements observés lors du scrutin. Si on regarde la forte présence du parti Tawassoul et sa popularité du nord au sud et de l'est à l'ouest du pays tout au long de la campagne, on se rend compte que si ces élections avaient été organisées de manière totalement transparente, on aurait eu de bien meilleurs résultats. Malgré tout ça, Tawassoul conserve sa place de première force d'opposition, ce qui confirme sa place importante sur l'échiquier politique. Déception également du côté de la coalition Sawabrag, rejoint par l'ancien député anti esclavagiste Biram Dahabed, arrivé pourtant second à la dernière présidentielle, mais qui n'obtient que 5 sièges, contre 6 pour la nouvelle coalition FRUD qui crée la surprise. Les partis traditionnels du RFD et de l'UFP pourraient bien ne pas être représentés cette année. Les résultats provisoires devront être encore validés par les hautes instances judiciaires. La CENI se dit prête à examiner tout recours ou toute erreur qui entacherait le processus électoral. 36 sièges sont encore à pourvoir au second tour. Large victoire pour la droite conservatrice en Grèce lors des élections législatives. Le parti Nouvelle Démocratie du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis termine en tête du scrutin avec 40% des suffrages mais sans obtenir de majorité absolue. Pour la gauche radicale Syriza, principal parti d'opposition, c'est la douche froide. Le parti de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras ne recueille que 20% des voix. En troisième position, les sociaux-démocrates de PASOK récoltent près de 12% des suffrages et pourraient doubler leur nombre de sièges au Parlement. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, comment ça va? Ça va très bien, on parle de la Grèce ce matin ensemble Vincent. La droite a remporté largement les élections générales dans le pays hier avec 40,8% des suffrages. Mais voilà que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis veut un nouveau scrutin. Il compte arracher la majorité absolue au Parlement. Ouais, Kyriakos Mitsotakis n'est pas un ingrat, mais il veut une victoire au carré. Il veut gouverner seul, sans coalition. La politique en Grèce est passionnelle, mais ce n'est pas le compromis à l'européenne ou les palabres orientales. Alors le pays qui a inventé la démocratie reste imaginatif. La nouvelle loi électorale, c'est la proportionnelle à un tour, mais s'il n'y a pas de majorité au Parlement, un nouveau scrutin peut donner un bonus au vainqueur. Il manque ce matin 6 sièges à Mitsotakis pour avoir les mains libres. Et si les Grecs revotent à l'identique dans un mois, il aura 50 députés de plus, donc
Banco. Les sondages le donnaient vainqueur, mais pas aussi largement. Les sondages se trompent lourdement et tout le temps, c'est pire que la petite Delphes. Cette fois, ils ont cru que la droite arriverait en tête, mais talonnée par la gauche radicale. Résultat, 20 points d'écart entre les deux. La semaine dernière, le chef de Syriza, Alexis Tsipras, recommandait à ses électeurs de ne pas se fier aux sondages en expliquant que le Premier ministre sortant ne pourrait pas obtenir davantage de soutien qu'il y a 4 ans. Et bien, c'est pourtant ce qui est arrivé. Les Grecs qui sont allés voter ont choisi la stabilité. Ils sont fatigués des apprentis sorciers. La magie du verbe n'opère plus. Seul compte les résultats. Alors, à ce titre, le gouvernement sortant a mis en avant son bilan économique. Le chômage en baisse, la croissance à 6%, le retour des investisseurs et des touristes. Les Grecs respirent un peu. Ils n'ont pas sanctionné Mitsotakis pour les scandales montés en épingle par l'opposition. Un mini Watergate, les violences policières notamment pendant le Covid, et surtout il y a 3 mois, la catastrophe de Tempi, 2 trains qui se télescopent, 57 morts, et la privatisation bâclée du réseau ferroviaire en accusation. Enfin, il y a une dernière affaire qui n'a eu aucune influence, ou alors pas celle qu'on aurait imaginée, l'affaire du New York Times. Ah, en effet, le quotidien américain a montré à la veille du week-end des migrants embarqués par la police, conduits au large par les gardes-côtes, et abandonné comme ça en pleine mer, sur un canot pneumatique, à la limite des eaux territoriales. Oui, la marine turque les a récupérés et le journal les a retrouvés dans un centre de détention près d'Izmir. Ce n'est pas la première fois que les autorités grecques sont accusées de refouler les migrants, manu militari, mais la vidéo est très éloquente. Preuve est faite que les autorités grecques contournent les lois. Elles se moquent de l'indignation des ONG, des protestations du HCR et des mises en garde de Bruxelles. En cela, au moins, elles sont en phase avec leur grande voisine, la Turquie. Recep Tayyip Erdogan et son challenger terminent leur campagne électorale en annonçant le renvoi des réfugiés syriens sans délai. Avant le premier tour, le candidat Kılıçdaroğlu promettait de les expulser dans les 2 ans. Il jure maintenant qu'il le fera dès son arrivée au pouvoir. Partout, du nord au sud du continent, les frontières repoussent et le temps se couvre pour les migrants sans visa. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, merci. Avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, c'est une nouvelle icône de l'automobile britannique qui est passée, hop, dans l'orbite d'un groupe chinois. Oui, la voiture de James Bond, la mythique Aston Martin. Aston Martin, c'est une firme britannique créée en 1913, avec son fameux emblème ailé. Et elle a été en effet rachetée partiellement par le groupe Geely, chinois, l'une des nouvelles stars de l'économie, de l'automobile mondiale. Chinois qui avait déjà fait plusieurs offres de rachat d'Aston Martin, il avait dû se contenter d'une petite participation il y a quelques mois, le voilà désormais propriétaire de 17% de cette pépite fort mal en point. Les autres actionnaires sont un milliardaire canadien, le groupe Mercedes, et le fonds PIF. Le fonds PIF, contrairement à ce que suggère son patronyme, est un fonds très sérieux, souverain et saoudien. Oui, ce n'est pas un gadget, voulez-vous dire. Alors, non. Oui, dites-nous, Aston Martin mal en point, que se passe-t-il exactement? Un océan de pertes depuis des années, c'est le paradoxe. En fait, les Anglais sont brillants pour dessiner les voitures, ils ont produit les designs parmi les plus élégants, mais quand il faut industrialiser, c'est une autre affaire. Défauts à répétition, retards incessants dans les livraisons, services après-vente épouvantables, rapport qualité-prix, que seul un membre de la Chambre des Lords peut encore accepter. Oui. Du coup, toutes leurs marques sont parties à l'étranger. Bentley et Rolls-Royce sont allemands, chez Volkswagen. Et Mini Cooper appartient à BMW, où elle fait un carton d'ailleurs. Rover et Jaguar appartiennent à l'Indien Tata, MG et Lotus sont déjà chinois. Mais alors dites donc, il y a quand même une question qu'on se pose tous. Ça coûte combien une Aston Martin? Enfin, ça vaut combien? Entre 150 000 et 300 000 euros, pour les modèles les plus courants. Mais parce que vous avez aussi au catalogue une hypercar, comme on dit, la Valkyrie, qui est une voiture de course quasiment. Il faut 2,5 secondes pour arriver à 100 km/h, départ arrêté. Là, il faut compter plutôt 3 millions d'euros. Et dépêchez-vous, parce qu'on ne fera que 150 exemplaires. Ah bon? Mais le marché des voitures de luxe n'est-il pas en pleine santé? Si. Et les résultats de Ferrari sont éblouissants. Cette marque au cheval noir est tellement rentable qu'avec 13 000 voitures vendues chaque année seulement, elle vaut plus de 50 milliards. C'est pas vrai. Aston Martin vaut 25 fois moins, alors qu'elle vend seulement 2 fois moins de véhicules, mais l'entreprise est en perte. Et puis, pour répondre à votre question, on pourrait également parler de Porsche, qui a connu une année
éblouissante. Alors, le fameux chinois Geely peut-il remettre sur pied cette belle endormie avec ses 17%? Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un groupe très compétent. C'est une entreprise privée fondée par Li Shufu, qui est un peu le Henry Ford chinois. Ah oui. Oui. Fils de riziculteur. Il a commencé sa carrière comme photographe pour des touristes. La plupart des modèles qu'il fabrique, bon, on les connaît pas, hein, ils sont pas encore connus en Occident, sauf la marque Link & Co. Vous remarquerez que on commence à la voir un peu dans rues. Une belle voiture. Et c'est aussi le premier actionnaire de Mercedes, le propriétaire de Volvo, celui de Lotus. C'est un partenaire clé du français Renault. C'est aussi lui le premier actionnaire de AB Volvo, qui fabrique les poids lourds de la même marque. Alors, a-t-il les capacités pour redresser Aston Martin? Parce que c'est quand même la question. Écoutez, son bilan plaide pour lui. Volvo, qu'il a racheté en 2010 pour une bouchée de pain, après l'échec de Ford, qui était le précédent propriétaire. Mm-hmm. Volvo a connu une trajectoire impressionnante, avec le maintien de la qualité, et puis un pari rapide sur l'électrique intégrale. En fait, Geely fait penser aux constructeurs japonais des années 90. Toyota, par exemple. Les Occidentaux le considéraient comme des sous-développés, en faisant des bagnoles médiocres, jusqu'à ce que, à force de patience, de compétences, d'investissement, Toyota devienne la première marque mondiale, avec des pénétrations impressionnantes sur les marchés les plus exigeants. Merci beaucoup François Langlais, le tout dernier numéro de votre podcast hors série. En Italie, l'Émilie-Romagne reste en alerte rouge, la pluie ayant effectué son retour ce samedi. Mercredi, l'équivalent de 6 mois de précipitations se sont abattus en quelques heures, provoquant dans cette région agricole et touristique des inondations dévastatrices. Bilan, 14 morts. La province de Ravenne a particulièrement été touchée. Plus de 27 000 personnes ont dû être évacuées. Les nouvelles précipitations pourraient de nouveau faire monter le niveau des rivières. Des débordements sont à craindre. Les conditions météorologiques extrêmes des derniers jours surviennent alors que des tempêtes ont déjà frappé l'Émilie-Romagne au début du mois, faisant 2 morts. La première ministre italienne Giorgia Meloni devrait quitter prématurément le sommet du G7 qui se tient actuellement à Hiroshima au Japon. Quand Bruno Le Maire, ex-ministre de l'Agriculture, fait la promotion des protéines végétales au détriment de la viande et provoque l'indignation d'éleveurs, est-ce que c'est une pénétration douce ou une pénétration dure? Quand Bruno Le Maire dit, dans la même émission, mais cette fois-ci on passe à d'autres choses, il dit qu'il est bien conscient des effets de l'inflation chez les ménages français, en prenant son propre cas, Bruno Le Maire, de ministre. Vous savez qu'un ministre, il gagne à peu près 10 000 euros net par mois, et il le mérite, et il le mérite, et il dit « J'essaie d'être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai mon moi-même, une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir. J'ai 4 enfants à nourrir. Voilà. Alors, et c'est bien, c'est pour ça que moi je veux être équitable. Faut pas parler simplement des passages érotiques, évidemment, qu'il faut rigoler tout le monde et qui font de l'audimat de l'écrivain Bruno Le Maire. Il faut parler aussi de Bruno Le Maire, père de famille, de Bruno Le Maire, ex-ministre de l'Agriculture, qui nous dit les difficultés que nous avons. Mais alors, à ce moment-là, cher Bruno Le Maire, à votre avis, la France lève et penche la tête en arrière parce qu'elle est pénétrée doucement, profondément, ou peut-être un peu plus brutalement, la question est posée. On a appris que Bruno Le Maire avait 4 enfants, une famille à nourrir. Hein. Donc ces propos, évidemment, qui font beaucoup réagir, on le disait ce matin, puisqu'il a fait quelques annonces aussi sur l'inflation entre deux analyses de son dernier livre. Hein. Oui, en promo pour son dernier livre, le ministre des Finances sur France 2 hein, a surpris son monde. Oui, il a révélé qu'il avait 4 enfants, bon ça il a le droit. Que sa famille était victime de l'inflation avec une formule quand même qui est absolument hallucinante. Je paie beaucoup de prix de paquets de pâtes. Bon, au-delà de la syntaxe très bancale ouais, hein, pour un écrivain, le ministre des Finances s'est attiré évidemment les sarcasmes des réseaux sociaux qui doutent bon des difficultés sur les réseaux sociaux, donc des difficultés financières de fin de mois du locataire de Bercy. Alors côté annonce, plus sérieusement, Bruno Le Maire a assuré que le trimestre anti-inflation, vous savez, c'est produits vendus par la grande distribution au prix le plus bas, que ce trimestre anti-inflation donc de la grande distribution serait reconduit
car l'été, vous l'avez noté Patrick tout à l'heure, l'été s'annonce difficile, reconnaît Bruno Le Maire, et que le pic d'inflation donc n'est pas encore atteint, hein, alors qu'on nous avait expliqué que passé le mois de mars, tout irait mieux. La hausse des prix, je vous le rappelle, des produits alimentaires est toujours de 16% sur un an, ça veut dire que 2 ménages sur 5 ont de grandes difficultés à se nourrir. Plus surprenant encore, Bruno Le Maire, vous l'avez peut-être noté, a remercié les industriels de l'agroalimentaire pour leur effort. Pour leur effort, je cite, alors que les négociations n'ont pas encore commencé avec ces industriels, des industriels qui continuent à accroître à bas bruit leur marge, prolongeant ainsi évidemment la hausse des prix. Alors, l'inflation, justement, première préoccupation des Français. Le ministre des Finances est également revenu sur la baisse d'impôts des classes moyennes qui a été annoncée il y a quelques jours par Emmanuel Macron. Oui, la promesse d'Emmanuel Macron de baisser 2 milliards d'euros, donc pour ces classes moyennes, l'impôt d'ici 2027. Le ministre des Finances s'est montré, à mon sens, à raison extrêmement prudent. Mmh. Sur la forme, il ne prévoit rien, Bruno Le Maire, pas d'annonce concrète sur ces baisses d'impôts avant plusieurs mois, mais c'est vrai que la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de les baisser d'ici 2027, donc d'ici la fin de son quinquennat. Bon, sur la forme, disons que Bruno Le Maire s'est montré prudentissime. Oui, mais ce qui intéresse, évidemment, c'est le fond de cette promesse présidentielle. Alors, c'est pour quand cette baisse d'impôts pour les classes moyennes? Alors, sur le fond, la formule sur le sujet est plus solide que sur celle des paquets de pâtes. Hein. Oui. Bruno Le Maire a dit « Nous faisons ce que nos finances publiques nous autorisent à faire. Et je pense, a-t-il ajouté, que 2 milliards d'euros, c'est déjà une somme importante. Donc, entre les annonces politiques tonitruantes du président de la République et la réalité de nos finances publiques, Bruno Le Maire a choisi, me semble-t-il, un langage de vérité et de réalisme. On n'est pas dans la politique politicienne, là. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Merci.